Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Un appel excavatrice, c'est quelque matériel, Centre National Équipement CNE, utilisé l'autre fois sous Bicentenaire et spécialement dans la Saline, pour continuer à faire la propreté dans le cadre d'opération CNE La Caillou. À travers l'opération ça, CNE décide de bailler la rue à un autre visage, d'après le directeur général institution, Kenton Louis, qui demande aux populations à continuer à collaborer avec CNE. Après Fontamara, après Martissa, après Bicentenaire, après l'Ebolos, je dis à nous dans la Saline, nous dans la Croix-Boussale. Ce programme CNE la Caillou a continué. Nous nettoyer la Saline, nous allons rentrer Croix-Boussale, nous allons nettoyer Machéa pour que définitivement Machéa soit capable de jouer espace pour installer. Programme CNE la Caillou, comme toujours dit, c'est une initiative de la direction générale du CNE. Nous nettoyer tout côté qui mérite nettoyer. Nous débarrasser les chaussées de tout ça qui obstrue pour que le peuple haïtien, pour que la population soit capable de jouer un espace libre pour circuler, pour régler l'activité. Par rapport avec la quantité de fabrique qui est là, CNE la Caillou a pris le temps qu'il faut. Dépendamment de nécessité, dépendamment de l'urgence qui est capable de gagner dans notre zone, même les états sont déplacés, ok, n'a pas retourné. Parce que l'objectif, mission que nous avons tête dans la rue de Presla, c'est attaquer Fatra. Attaquer tout ça qui obstruit le passage. Attaquer tout ça qui empêche les machines circuler, qui empêche les piétons circuler. Le programme CNE La Caillou a bien pour intervenir dans diverses zones dans la région métropolitaine. D'après le directeur général institution Kenton Louis, c'est qu'à permettre la population ainsi qu'il est sans difficulté. Je vois la nécessité de visiter, de rendre visite aux prisonniers pour voir, constater dans quel état ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me fais accompagner de tous les commissaires près du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour qu'il soit en ma compagnie pour rendre cette visite. Ils sont là à mes côtés, ils ont vu, ils ont constaté l'état des détenus, des prévenus, ils sont instruits à organiser des audiences pendant 6 mois environ et après la rencontre que nous avons eue avec eux, avec le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et des commissaires du gouvernement, nous nous sommes mis ensemble pour lutter contre la détention préventive prolongée en instituant une opération appelée coup de poing ou, si vous voulez, opération sans plein souffle. Et ceci, ça va durer au moins 6 mois. C'est juste pour décongestionner la prison. C'est juste pour libérer après jugement eh bien, ceux qui attendent eh bien, à être libérés, à être absous. C'est juste pour condamner ceux qui méritent d'être condamnés. Cette visite que nous rendons au pénitentiaire national, eh bien, ça va continuer au niveau de la Croix des Bouquets. Nous avons comme axe d'action de combattre l'insécurité foncière. Nous avons comme axe d'action qui reste pour nous une priorité, c'est de combattre contre la détention préventive prolongée. Pour l'insécurité foncière, nous avons organisé une conférence débat au Cap-Haïtien et nous avons réuni les notaires, les arpenteurs, les juges de paix, les commissaires du gouvernement.
fait insécurité foncière, m'a fini avec ça sous l'administration Moïse Joutlo. Affaire insécurité foncière, nous pas entendre que les policiers trouvent sous une portion de terre sans que les juges de paix paguent une décision en main pour que, au moment de l'exécution, le juge de paix soit trouvé accompagné de policiers pour sa sécurité. Nous ne pas entendre que le commissaire du gouvernement ou bien le commissaire de police eh bien, trouve l'immiscelle dans sa insécurité foncière. Nous ne pas entendre que le docteur, le rapporteur, immiscelle dans sa insécurité foncière. Insécurité foncière, c'est lui qui génère sa vengeance, c'est lui qui génère sa criminalité, coupe tête, boule caille. Nous-mêmes, nous pas indifférents dans l'action, sauf que il y a une action que nous pas obligés dit dans le microphone, dit dans la radio. C'est que nous-mêmes, c'est force que nous avons, déjà connaît que la force est calme. Nous-mêmes, j'aime dire non, nous venons comme axe d'action que nous gagnons pour nous capables de réduire la criminalité eh bien, qui sévit dans le pays. Et ceci avec la concertation eh bien, de la police nationale d'Haïti. Tout le monde a mis en main correctement eh bien, pour que l'insécurité ça qui blaye dans le pays à la veille des élections pour que nous-mêmes nous éradiquions mal ça, nous éradiquions fléau ça. Donc, fuck. Personnel politique yo renouvelé. Et puis renouvelé, c'est à travers élection démocratique, libre et transparente. Et élection ça yo, c'est pas palais national qui doit organiser. Élection ça yo, c'est pas la primature qui va l'organiser. Élection ça yo, c'est pas le ministère de l'Intérieur ni le ministère de la Défense. C'est le conseil électoral permanent qui devrait organiser l'élection sale. Malheureusement, je dis à nous encore dans une situation d'exception. On a parlé de conseil électoral provisoire. Ce que maman loi pays a te prévoit une seule fois. Constitution 1947 amendée te prévoit un seul conseil électoral provisoire. Le problème, instabilité politique, cause nous toujours dans un provisoire permanent. Donc nous croyons que c'est le moment plus que jamais, nous-mêmes ne place pas. Plateforme nationale secteur populaire haïtien, c'est le moment plus que jamais pour acteurs politiques, ils mettent tête ensemble pour décider qui ça va faire avec le pays. Parce que ce n'est pas normal. Là, quand les voisins, date d'élection arrivée, eh bien, tout secteur mettait ensemble et organisé l'élection. Il y a seulement 3 candidats pour poste président. Eh bien, l'opposition a remporté l'élection. On pas tomber en pétatine. Lui, le litan pour haïtiens, frères, actionnaires, tirer le sang. Je dis à, n'a demandé tout. Nous-mêmes ne place pas pour le président de la République attendait la raison pour lui réunir toute force vive pays pour poser une petite question ça. Qui ça a décidé de faire avec Haïti? Ça a décidé de faire avec pays parce que faut que l'élection, faut que le personnel politique renouvelé. Donc, faut que dans ce sens, il faut que un dialogue franc, sincère, entre toute force vive pays, pour nous vider contre ceux, pour nous mettre en tête, sur ça nous gagnons comme mésententes, pour nous mettre en accord, sur ça nous gagnons comme désaccord.
accord que nous devons joindre. Un peuple que nous devons joindre, c'est qui direction nous devons prendre avec le pays pour finalement le monde pas prendre nous comme une nation. Côté que qui gagne la demi des mondes, soit qui gagne un chromosome en plus, ou un chromosome en moins. Lance pas mandé chef l'État pour convoquer une assise pour réunir tout secteur sous affaire élection pour poser une petite question. Ça n'a pas avec le pays. Local ministère environnement cérémonie signatif contrat entre ministère à quelques acteurs société civile là sous mise en place deux jardins gardement géo réalisés. Renforcer écosystème là, rendre ferme plus productif par ces jardins traditionnels, rendre travail plus efficace, fournir plus produits matériels pour besoins domestiques et commerciaux, créer plus d'emplois pour jeunes et familles, c'est quelques parmi objectifs projet ça qu'a bien pour exécuter dans différents sites en bas pays. N'est pas de l'agriculture au sens global du terme. Il est entré en bas cheminement de l'horticulture, mais il est plus venu comme des mesures d'accompagnement qui pour permettre aux paysans et bien répondre à des besoins réels de l'hiver en tant que la créance pression sur terre. La créer une expression sur l'environnement. Et bien, si ça fait, l'approche est parcellaire. C'est-à-dire, c'est pas grand espace ou besoin de travail, c'est petit espace, sauf que le rendement l'idée optimale. Et bien, définition, on dit, c'est rendre les petites exploitations à la fois plus productives. Plus économe, mais également plus attractive pour les jeunes et les femmes. Parce que nous connaissons les jeunes filles agriculture, parce qu'il y a travail en pile, il y a rapporté très peu, et bien des aspirations bien, que l'activité à faire pas capable maillot. Donc, il faut que le jardin de manger réponde à un impératif ça. Dans l'occasion, responsable présenter l'ensemble des marches faites pour arriver à aboutir à projet ça. Je vais résumer le projet ça, tant qu'on carré qui gagne quatre axes là-dedans pour nous-mêmes. D'abord, nous avons un renforcement de capacité avec l'organisation sur les civils, parmi lesquels nous MODEV. Deuxièmement, nous avons également un renforcement, ça on est conservation biodiversité. Et troisièmement, nous avons éducation environnementale. Et quatrièmement, nous avons mobilisation communautaire. Mobilisation communautaire, nous avons des collectivités territoriales là. Par exemple, nous avons pour MODEV, nous avons trois écoles dans la zone marine qui est habitation Robert, qui a gagné pour mettre en œuvre le projet ça ensemble avec nous. Nous avons 12 familles paysannes qui ont bien pour collaborer avec nous. Et nous avons également essayé une sorte d'échantillon là bien qui permet que en plus notre monde comprenne le processus de développement durable là, comprenne comment nous allons renforcer le processus de protection environnement. Ça veut dire que nos tel projet méritait saluer et l'initiative ça méritait courir non seulement comme une étude de cas, je dis là, mais nous sommes capables de multiplier par tout côté nous va passer et en plus notre monde garder également à capable. Ouais, comment on capable ici? Expérience tout neuf ça, gain pour objectif, fait suivi à Sikile 003, qui n'est un port à disposition qui est nécessaire pour empêcher insécurité alimentaire, acte chômage, pandémie COVID-19 la causée. Nous vivons de taper sous pied deux protocoles. Un protocole pédagogique avec un protocole sanitaire pour capable de l'activité de l'école le date 10 août et pour lui reprocher le date 9 octobre. Je me dis, et ma petite dans le toute analyse que fait la question de l'école fermée, vous connaissez, ce n'est pas seulement le COVID-19, le coronavirus là, qui est dans l'école en Haïti, il y a une turbulence politique tout, qui est la cause d'un paquet de mois à l'école qui est perdue après l'entrée de l'école là. Cependant, nous remarquons que l'école qui travaille normalement de septembre à mars,
et parmi l'école ça rejoindre l'école dans notre département d'Essio, maintenant l'Ouest et l'école tout à coup l'école qui est dans la Gonale, même les turbulences politiques et des continuer de travail. Ils ont vite campé la décision 19 mars là. Mais quand pile le tout, malgré le COVID-19, qui est continué de travail en ligne, sorti mars, arrivé jeudi. C'est comme ça que ça te travaille de décembre à mars, de janvier à mars. Là, on fait tout calcul, en tant que ministère, vous remarquez que nous avons besoin et pour nous capables de clôturer et valider l'année scolaire 19-21, nous avons besoin d'environ 50 jours de classe. C'est pour ça, au niveau de direction, formation et ministère, il y a plusieurs calendriers qui étaient remaniés. Et pour reprendre ce qu'a fait 10 août là, le calendrier a déjà fait tout pour ça, mais la fermé le 9 octobre de l'IA. Et nous avons gagné une période de contrôle, une période d'examen l'État, qui a fait sorti 12 pour le 14 août et le 14 octobre. Ça, c'est pour examen de première année, élu avec CEF. Et nous avons gagné un baccalauréat qui a fait sorti 19 pour le 22 octobre. Nous avons remarqué d'actuer 22 jours. Nous avons fait l'examen pour diminuer. Parce que des fois en Haïti, nous avons consacré plus passer un mois pour réaliser l'examen d'État, qui sont peut-être deux temps. Ça a toujours fait une bousculade qui fait le jour de cours. Parce que l'on dit tant de jours de grâce, tant de jours de grâce, pas forcément des jours de cours. Et bien, c'est dans ce sens-là, pour cadrer, par exemple, pour l'examen de deuxième année, c'est du 19, et c'est plutôt du 12 au 14. Ça veut dire que l'examen, non seulement l'instruction déjà passée à responsable concerné, pour l'examen, pas de même longueur, pour qu'on ait examen de deuxième année, on garde ces deux ou quatre feuilles d'examen. Donc, un examen, c'est pour temps lié, un examen, c'est purement et simplement une évaluation. Et dans la partie tout qui a dit ça, on a gagné une évaluation. Sommative, ça veut dire si vous évaluez sous ça, ouais. Et pendant toute période, et ça, côté l'école pas fonctionné, en pile direction des comptables, toutes les sous des comptables, déjà dans toutes données qu'il faut, pour nous connaître qui côté tout pays qui ça ouvert, et faut qu'on examine l'État qui n'a pas quitté aucun type de l'État. Cependant, reprise de l'annoncer pour 10 août là, l'IPA concerné. Si vous êtes en préscolaire, mais si vous êtes en troisième année préscolaire, si vous-même, vous êtes peut-être parents avec l'école, dans votre temps, sous une modalité. Parce que le préscolaire lui-même, il n'est pas au niveau d'études, il n'est pas plus pédagogique. Son nom pour allier, c'est après socialisation. Et puis tout qui est de l'école pendant la période là, qui est déjà bouclé l'année académique là, il est déjà fini par être bien l'année à Timonio, et actuellement, il est déjà préparé décision de fin d'année. Cependant, même l'école ça tout, il y a problème parce que si nous n'avons pas bénéficié de éducation, apprentissage, enseignement, l'union à 100%. Donc pile si vous qui n'a pas de possibilité ça. Donc l'école ça a une obligation de reprendre en présentiel pour tout le monde qui va arriver boucler à l'EA en ligne. Mais il faut que du tout nous-mêmes au niveau ministère, COVID-19 là lui-même, même j'en ai tout pays dans le monde qui a réfléchi, et bien lycée pour nous-mêmes, une nouvelle opportunité pour nous entreprendre de grandes réformes au niveau éducation. Voilà. Merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.